de l'impact, de la vitesse et du soutien. Face à Clermont, les avant-Rochelais devront livrer un gros combat. En mêlée fermée dans les rucks, des secteurs clés pour les Maritimes s'ils veulent confirmer leur excellent début de saison. Nous n'avions pas gagné 3 matchs de suite depuis longtemps. Nous visons une 4e victoire. Avec 2 matchs à l'extérieur, c'est un beau challenge. Ce sera un gros défi face à Clermont. Contre Clermont, battu d'un point à Toulon malgré 4 essais le week-end dernier, les Maritimes retrouveront leur ancien entraîneur Jono Gibbs et Jules Plisson. Le demi d'ouverture annoncé titulaire et motivé. On ne pense même pas à perdre ce week-end. On a envie que d'une chose, c'est gagner, c'est de faire le meilleur match de la saison qu'on n'a jamais fait pour l'instant. Il y a besoin de résultats, il y a besoin de gagner et voilà. Attendus de pied ferme, les Maritimes tenteront de s'imposer dans une enceinte du stade Michelin d'où ils ne sont jamais ressortis vainqueurs. Une motivation supplémentaire pour les joueurs de Sébastien Boboul. On a beaucoup de compétiteurs dans cette équipe et voilà, ça fait partie des challenges qu'ils veulent relever et surtout garder cette dynamique de victoire et essayer de rester le plus longtemps possible invaincu. Les Maritimes pourront une nouvelle fois compter sur leur capitaine Grégory Aldrit, auteur de 3 premiers matchs de 80 minutes. Mais ils devront se passer de Pierre Poplin, opéré d'une pubalgie.